Protecteur citoyen, maître Ronan Edouville, qui était présent dans l'occasion, c'était quelques points positifs dans la bataille pour respect droit monde en Haïti. Protecteur a reconnaître toutefois situation dans affaire respect droit monde fragile en pays, la cause du phénomène insécurité généralisée qui gagne en pays, mais tout condition la vie population qui a détérioré chaque jour plus. En côté, maître Ronan Edouville, qui était dans le micro, Peterson Dixama. En effet, il est important de le signaler, il est important de le rappeler. Au niveau des deux systèmes internationaux de protection des droits de l'homme, auxquels Haïti est justement état partie, nous avons, l'État haïtien, volontairement, à adopter tout un ensemble de textes internationaux. Des textes se rapportant aux droits civils et politiques, des textes se rapportant aux droits économiques, sociaux et culturels, ou encore des textes qui sont en rapport avec la justice sociale, la liberté syndicale, le respect des droits des travailleurs et travailleuses de toutes catégories. L'État haïtien aussi a fait des efforts pour créer, pour mettre en place des institutions étatiques de protection des droits de l'homme. Et un point assez important que nous devons signaler, c'est que aujourd'hui, et ceci depuis plusieurs années, nous avons un secteur privé, nous avons une société civile composée de défenseurs des droits de l'homme, de militants, de militantes des droits de l'homme, qui sont très actifs dans la lutte pour le respect des droits de l'homme. Ce sont des points positifs. Cependant, on doit l'admettre, on doit le reconnaître qu'aujourd'hui, la situation générale en matière des droits de l'homme est très préoccupante, très inquiétante. Quand on se réfère à l'insécurité qui fait rage, quand on se réfère surtout à la détérioration des conditions d'existence, des conditions de vie d'une grande partie de la population haïtienne, notamment en ce qui a trait aux droits économiques, sociaux, culturels, la santé, l'éducation, la nourriture, le travail, la sécurité sociale, pour ne citer que ces droits. L'État est le premier garant en matière des droits de l'homme. Non seulement c'est clair dans les instruments internationaux, mais dans notre constitution, dans la charte fondamentale, il est écrit, et ceci très clair, en son article 19, l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, à la sécurité de la personne humaine, et ceci conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons adopté comme beaucoup d'autres pays en décembre 1948. L'État a donc des responsabilités en matière des droits de l'homme. L'État a la responsabilité de respecter les droits de l'homme. L'État a la responsabilité de protéger les droits de l'homme. L'État a la responsabilité également de promouvoir les droits de l'homme. Voilà pourquoi, au niveau de la primature, le Comité interministériel des droits de la personne qui fait, je suis obligé de le reprendre, un travail assez intéressant, très intéressant, a bien compris, et c'est pourquoi on a décidé d'organiser cet atelier de ce matin. Nous pensons, nous estimons, nous croyons fermement qu'il est de notre devoir de conjuguer tous nos efforts, d'abord au niveau de l'État central, au niveau des institutions de droits de l'homme ayant un statut indépendant, au niveau des organisations de la société civile, du secteur des droits de l'homme, pour que l'on puisse arriver à l'adoption d'un document, d'un plan national des droits de l'homme.